relation sympathique. Alors que si quelqu'un attaque tes valeurs, des choses qui pour toi sont importantes et qui les flattent, alors ton ego va être flatté. Donc tu te feras influencer, manipuler. Tout simplement. Positivement ou négativement, d'accord? À toi de choisir tes armes. Donc on a vu la sympathie. On a vu la réciprocité. Sociale. C'est quoi ça? La preuve sociale, c'est tout simplement l'effet de groupe. Si tout le monde, exemple, on est dans une réunion, d'accord? Et voilà, chacun son tour, vous allez dire pour qui vous avez voté. Vous avez voté pour A ou vous avez voté pour B. Si tu vois que la première personne dit A, la deuxième dit A, la troisième personne dit A, la quatrième personne dit A, la cinquième personne dit A, et toi, t'avances quoi? Eh ben toi, il y a de très fortes chances que tu dises A aussi, d'accord? Même si la réponse est B. D'accord? Si tu es soumis à une preuve sociale, à, donc à, aux autres, tu seras influencé, manipulé. Autre exemple. Si je te dis, mec, tu devrais un petit peu ranger ta chambre. Genre, oui, nous sommes, j'habite dans un hôtel, mais c'est quand même, il faut quand même que tu ranges ta chambre. Bon, est-ce que tu vas le faire? Par contre, si je te dis, tu sais que 70 des personnes qui rentrent dans cette chambre, je suis très surpris parce que ces 70 personnes rangent toujours leur chambre, tout le temps. C'est tout ça impressionnant. Alors dans ces cas-là, te dire, attends, si tout le monde range leur chambre, ben moi je vais faire pareil. D'accord? Voilà. Si d'un coup, tout le monde se met à courir, eh bien, il y a de grandes chances que toi, tu vas te mettre aussi à courir. Soit parce qu'il y avait un danger, du coup t'as sauvé ta vie, soit t'as l'air d'un con. Mais, il faut savoir que beaucoup de gens vont dire, mais non, jamais je fais ça moi, mais non. Et bien c'est les gens qui se disent que jamais le feront, qui le font. Genre si tu dis, attends, si tout le monde dit A, moi je dis B, y'a pas de grandes chances que tu le crois. On appelle ça le biais de négativité, le biais d'idée sans savoir. C'est un biais cognitif. On croit savoir, mais en réalité, non. C'est important que tu saches cette manipulation, d'accord? Déjà parce que tu peux te faire manipuler, preuve sociale, d'accord? Fais attention à ça. Et puis surtout, toi, tu peux influencer les gens sur leur façon de penser. D'accord? Si, exemple, que quelqu'un te dit Apple c'est mieux, mais que toi tu préfères Samsung et tu veux le convaincre que Samsung c'est mieux, eh ben, tu peux utiliser une manipulation, preuve sociale. Par exemple, oh, mec, est-ce que tu sais? 40% des mecs qui utilisent Apple, ils revendent leur téléphone. Est-ce que tu sais que Samsung, 80% des gens qui ont Samsung sont satisfaits et notent à 5 étoiles, qui donne une moyenne incroyable. Est-ce que tu sais que, tu vois, etc. Donc ça, le fait d'utiliser tout le monde, c'est un atout. Ok, voilà. Donc c'est une manipulation. Ok, donc ne pas se laisser influencer par la manipulation propre sociale. Bien, tu la connais un peu mieux, d'accord. La quatrième, c'est la manipulation autoritaire. Autoritaire. Qu'est-ce que c'est la manipulation autoritaire? C'est simple. Jamais de ta vie, tu vas remettre un médecin en cause. Jamais de ta vie, tu vas remettre ton doctorant en doute. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'autorité. L'autorité, ça ne veut pas dire crier sur quelqu'un, attention, ok. Ça c'est quelqu'un, c'est un mauvais leader, ça n'a rien à voir. Donc quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui va te faire taire rien qu'avec son savoir. Et puis aussi, visuellement, par exemple, il a une blouse, il est habillé comme un docteur, donc de suite ça fait beaucoup plus sérieux. Un policier, tu vas tout de suite te calmer quand tu le vois, parce qu'il a l'uniforme. Alors que si c'est quelqu'un que tu connais qui a un pyjama, ben tout de suite, il y a moins d'autorité, tu vois. Voilà, donc, c'est de l'autorité, d'accord. La façon de bien s'habiller, la façon de parler, d'accord. C'est exemple, quelqu'un te dit, mais toi, qu'est-ce que t'en connais, toi, aux petits-enfants?
j'ai un CV petite enfance, donc j'ai un diplôme d'État, donc oui, je m'y connais. Et là, la personne en face va se taire. Elle va être là, ah oui, d'accord, je sais pas. Elle va être manipulée par l'autorité, d'accord? L'autorité, c'est montrer à quel point tu es fort dans ton domaine, inconsciemment. C'est pas en disant que t'es fort, c'est pas en disant, hey, écoute-moi, moi je suis fort, non. C'est inconscient. Exemple, je suis docteur, je vais pas dire, moi j'ai bac plus 7, non, non. Juste avec la blouse. Et puis en étant sûr de toi, en étant sûr de toi, en ayant une blouse, en donnant l'apparence que tu es un professionnel, dans ce cas-là, tu seras professionnel. D'accord? Si, exemple, tu rentres comment ça s'appelle? Dans un hôpital, et que tu vois quatre médecins, et sur les quatre, il y en a un qui commence à danser la salsa. Et je dis, attention, sur les quatre, il y en a un qui n'est pas médecin, devine lequel. Il y a de grandes chances que tu choisisses celui qui danse la salsa. Parce que son comportement n'est pas professionnel, par exemple. Et du coup, ben, l'autorité ne marche pas. Hésite à s'acheter un sac à main parce qu'elle adore ça. Bon, finalement, elle dit non. Si toi, tu vas voir le vendeur et que le vendeur te voit hésiter, est-ce que je lui achète son sac à main pour lui faire plaisir ou pas? Et bien, le vendeur, il peut venir vers toi et te dire, écoute, nous, ce sac à main, il y a des gens qui vont venir le récupérer cet après-midi. Donc, si tu le veux, c'est soit maintenant, soit jamais, quoi, parce que cet après-midi, il est plus là. Il est tellement beau, il est tellement magnifique qu'il part vite. Très vite. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'acheter pour l'avoir. Alors que de base, peut-être tu ne le voulais pas. T'hésitais, mais t'allais te dire non. Donc, attention à ne pas se faire manipuler dans l'autorité. Alors, évidemment, c'est les 5 techniques que je te propose maintenant. Mais il y en a beaucoup plus que ça. D'accord? Il y a les noélismes, les phrases à double lien, les liens de cause à effet, les liens de cause à effet, pardon. Les lésions, la boucle. Le Y7, il y a plein de techniques, d'accord? Un peu plus fourbes. Mais ça veut dire que c'est les 5 plus connus, d'accord? Donc, je te l'ai expliqué pour pas que tu en sois victime. Mais je compte sur toi pour pas utiliser à des fins personnelles, d'accord? Il faut en jouer, mais avec modération. Il faut faire plus le bien autour de soi que le mal. Parce que, crois-moi, si tu commences à manipuler les gens et que les gens commencent à se rendre compte, ça va retomber sur toi, d'accord? Donc, sois honnête avec toi-même et avec tes proches. Ok? C'est très important. Donc, voilà, ces techniques, tu peux les travailler, d'accord? Pour après, plus tard, les développer. Et puis, si tu veux une autre vidéo à ce sujet, avec d'autres techniques de manipulation, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires, d'accord? Moi, je te souhaite une excellente vie. Dors bien. Et tu es libre de ne pas aller sur mon Instagram. Ça, c'est notre technique, d'accord? Alors, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram.